Salut à toutes et à tous et bienvenue sur Angle Formation. Sur cette vidéo, suite à la demande de plusieurs auditeurs sur ma chaîne ou bien sur les réseaux sociaux, ils m'ont demandé comment désactiver le Bluetooth. Ainsi, votre ordinateur ne sera pas vulnérable. Donc la manipulation, elle est très simple. Il y a deux manières. Soit vous éteignez le Bluetooth ou bien vous éteignez le software qui prend en charge le Bluetooth. Ainsi, il ne sera pas pris en charge. Donc le protocole ne sera pas opérationnel, sinon en désactivation physique. À partir, donc vous désactivez le matériel. Donc on va commencer par une désactivation du software. Donc tout simplement, si vous partez au système Tray, donc ici, et après tout simplement double-clic. Comme vous voyez ici, donc vous pouvez cliquez sur désactiver le Bluetooth. Donc quand vous aurez désactivé, donc ça veut dire que votre Bluetooth est désactivé, ne peut pas recevoir ni émettre ni permettre une connexion inter deux appareils ou bien avec un autre appareil et votre ordinateur. Sinon la désactivation physique, c'est tout simplement vous allez sur ici sur recherche et après vous allez sur gérer c'est gestion ordinateur et après vous allez sur gérer périphérique. Patientez quelques instants, vous aurez la liste des périphériques qui sont intégrés ou bien qui sont installés sur votre ordinateur. Et vous allez sur Bluetooth, vous cliquez avec le bouton ou bien vous développez tout d'abord. Et vous cliquez avec le bouton droit de la souris pour désactiver la puce momentanément. Donc si je clique sur désactiver, donc vous voyez, vous avez un message d'alerte qui vous informe que si vous désactivez la puce, donc toutes les fonctions ont été reliées à ce service-là ne seront pas activées, elles seront désactivées. Donc on va faire oui. Donc comme vous voyez, il vient d'être désactivé. Donc pour les réactiver, c'est tout simplement, il suffit seulement que vous cliquez avec le bouton droit de la souris, vous cliquez sur activer l'appareil, tout simplement. Donc j'espère que cette astuce vous a plu et vous a été utile et ça vous facilite vos tâches. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à s'abonner, liker cette vidéo et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. À bientôt.